En tout cas, je vous parle d'insectes, mais j'ai une vraie phobie des insectes. Je vous jure, moi, je vois une araignée, je quitte mon appart. Ah, je supporte pas les insectes. Mais paradoxalement, ça, j'adore les reportages sur les insectes. Voilà, parce que ça me fascine, vraiment, je suis fasciné par ça. Et je veux dire, parce que dernièrement, je regardais un reportage à la télé et il montrait le nombre de morts qu'il va avoir à cause des piqûres d'insectes en Australie. Tu sais, moi, j'étais là, j'étais, waouh, l'Australie, c'est incroyable et tout. J'étais vraiment happé par le reportage. Mais la personne la plus impressionnée, c'était pas moi. C'était ma mère qui était assise à côté de moi. Elle dit, oui, l'Australie, oui. Tu te fais piquer, tu meurs, oui. Là, elle a bloqué. Elle s'est tournée vers mon père. Ça serait bien que t'aies une Australie! Tu te fais piquer, tu crèves, Inch'Allah! J'ai dit, maman, arrête, tu crèves, tais-toi, faut qu'il crève avec sa gueule là! Qu'est-ce qu'il est moche! Elle va crever! Toute l'année, il me parle, on dirait, fait le ramadan toute l'année avec sa gueule, là, tellement il pue! Toutes les nuits, moi je dors avec lui, toutes les nuits, il ronfle! J'ai Inch'Allah, tu crèves! Qu'est-ce qu'il y a? J'ai fait un cauchemar, crève! C'est rien, pure de ton cauchemar! Attention, il y a un dodan, crève avec ta gueule là! Il est moche. Même la chef, quand elle est partie avec lui, elle m'a fait. Elle va crever, hein. L'autre fois, elle est venue, elle m'a dit, oh là là, tu sais pas ce qui m'est arrivé. J'ai dit, quoi? Il m'a dit, j'ai failli mourir. Dans ma tête, tu peux.